CAN 2019, le Bénin et la Tanzanie qualifiés, le Togo éliminé. Le groupe D, dominé par l'Algérie, offrait un deuxième ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et il se jouait entre le Bénin et le Togo. Les locaux devaient impérativement prendre un point pour se qualifier, tandis que les Togolais étaient contraints à l'emporter. Le Bénin ouvrait rapidement le score par Djigla, 1-0, 12e, mais Zedd Beyor relançait les siens en fin de match, 1-1, 72e. Finalement, Mounier offrait la victoire au Bénin, 2-1, 84e. Le Togo s'incline donc et n'ira pas à la CAN, 2-1. Le Bénin ira en Égypte et retrouve cette compétition 9 ans après sa dernière participation. Enfin, la Tanzanie, le Lesotho et le Cap-Vert, se battaient pour le dernier ticket du groupe L, dominé par l'Ouganda, déjà qualifié. Le leader du groupe s'est par ailleurs fait écraser par la Tanzanie, 3-0, qu'il a emporté grâce à des réalisations de Msuva, 21e, Nyoni, 55e, et Mori, 60e. Et avec le match nul entre le Lesotho et le Cap-Vert, 0-0, la Tanzanie a validé son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations, et la disputera pour la deuxième fois de son histoire, après 1980. Absent des quatre dernières CAN, le Bénin est parvenu à valider sa qualification face au Togo, dimanche. Les écureuils, qui ont peut-être envoyé prématurément la star togolaise Zedd Beyor à la retraite, puisque les éperviers sont éliminés. Publicité. 9 longues années que le Bénin n'avait plus goûté à la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir conclu avec brio une solide campagne d'éliminatoire en battant le Togo, 1-0, les écureuils ont assuré leur participation à la CAN 2019, la quatrième après 2004, 2008 et 2010. Face à des Togolais condamnés à gagner pour espérer une qualification, les Béninois ont su frapper d'entrée. L'ouverture, trouvée dans le premier quart d'heure par Djigla, 1-0, 12e, a mis les hommes de Michel Dussuyer sur de bons rails. Portés par le bouillant public du stade de l'Amitié de Cotonou, les écureuils ont ensuite géré toute la rencontre, face à des Togolais qui n'ont jamais réussi à forcer leur destin pour aller chercher leur ticket pour l'Égypte. Car même si Zedd Beyor a un temps redonné l'espoir aux siens, 1-1, 72e, Mounier est venu mettre un terme au suspense dans les 10 dernières minutes, 2-1, 83e. Publicidad. Zedd Beyor, plat de fin? Une grosse déception pour la star du Togo qui, à 35 ans, avait tout récemment évoqué la possibilité de prendre sa retraite internationale. C'est fort possible que le match de dimanche, soit mon dernier avec le Togo, avait-il déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match. Une chose est désormais certaine ou presque, le joueur africain de l'année 2008, a sans doute laissé passer là sa dernière opportunité de disputer une Coupe d'Afrique des Nations sous le maillot des éperviers. L'équipe du Bénin s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en battant celle du Togo 2-1, ce 24 mars à Cotonou, dans le groupe des éliminatoires. De leur côté, les Togolais et leur entraîneur français Claude Leroy, n'iront pas en Égypte l'été prochain. Le sorcier blanc Claude Leroy, n'a pas trouvé le sortilège adéquat, ce 24 mars à Cotonou. Le français et son équipe du Togo, ne sont pas parvenus à remporter la victoire au Bénin, qui les aurait qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pire, les éperviers ont été longtemps hésitants dans leurs intentions, durant cette dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Il faut dire que l'ouverture du score précoce signé David Djigla, ne leur a pas simplifié la vie. À la 12e minute, sur une passe en profondeur du milieu sous Koussebio, l'attaquant résiste à la charge d'un défenseur, et s'en va tromper le portier adverse, Sabirou Bassadjori. 1-0. Emmanuel Zedd Beyor entretient l'espoir. La suite? Beaucoup d'approximations techniques sur une pelouse en mauvais état. Les Togolais ont toutefois le mérite de ne pas perdre espoir. Ce dont ils sont récompensés à la 72e minute, peu après que Jodel Dessou ait manqué le 2-0 pour la sélection béninoise, 68e. Sur un coup franc tiré par le milieu Floyité, le ballon navigue dans la surface de réparation des locaux. L'avant-centre Emmanuel Zedd Beyor saute plus haut que tout le monde, et égalise d'un coup de tête rageur. 1-1. Malgré la pression exercée par les visiteurs, les écureuils tiennent cependant bon.
Il trouve même la faille une seconde fois. L'avant-centre Steve Mounier redonne en effet l'avantage au sien d'un coup de tête. 2-1, 83e. Les Béninois terminent ainsi deuxième du groupe D derrière l'Algérie. En Égypte, l'été prochain, 21 juin 19 juillet, ils disputeront leur quatrième Coupe d'Afrique des Nations, la première depuis 2010. À l'époque, le Français Michel Dussuyer était déjà sur le banc de touche du Bénin. الحرة تسفر عن هدف الآن بعد ما لعبها ببراعة فلويد آيتي وعادت وارتدت من حارس المرمى وبالرأس سجل هادي بايور هدف التعديل للمنتخب التوغولي لتصبح النتيجة الآن 1-1 هادي لإعادة من جديد والإنقاذ الأول من جانب الأكبي وبعد ذلك يطير هادي بايور في الهواء ويسجل بضربة رأس هدف التعديل الآن للمنتخب التوغولي لتصبح النتيجة 1-1 هادي بايور عند الدقيقة 71 يعادل النتيجة 19 دقيقة أخيرة متبقية ستكون بالنار بكل تأكيد في شوط المباراة الثاني الوقت الأصلي 19 دقيقة بالنار الآن وهادي بايور يرفع رصيده من الأهداف الدولية مع المنتخب التوغولي إلى 32 هدف دولي هل يفعلها هادي بايور هل يفعلها المنتخب التوغولي مع المدرب المخضرم كلود لوروا تفوق عليه في الشوط الأول ميشيل دوسي ولكن الآن النتيجة هي تعادل بهدف لهدف تمريرة وكرة من جديد على الجهة اليسرى والبحث الآن عن عرضية عرضية رأسية مرت خطيرة جول 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 لستيف